J'ai des talents d'actrice, non? Ouais, je sais. Donc c'est la marque T2T qui m'a envoyé cet énorme paquet. Il m'avait demandé si j'avais besoin de matériel en plus là pour la fin de la saison, s'il me manquait des trucs. Et effectivement, il me manquait des choses. Mais moi, je leur ai fait une petite liste rikiki comme ça. Et eux, ils m'ont envoyé un carton genre gros comme ça. Et vraiment, je n'avais pas demandé autant de trucs. On va commencer du coup par l'étape que je déteste le plus, c'est-à-dire ouvrir le carton. C'est à ce moment-là où j'ai une chance sur 3 de me poignarder. Déjà, on va l'ouvrir dans le bon sens. Ce serait mieux. Si je meurs durant cette vidéo, je lègue tous ces articles à ma communauté. Je vous laisserai vous battre. Voilà, débrouillez-vous. C'est pas mes oignons, je ne serai plus de ce monde pour le voir. Mais je tiens à vous dire... Oh là 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 là, je vois des trucs, j'adore. Je tiens à vous dire que pour l'instant, j'arrive à l'ouvrir plutôt correctement. Ok, c'est ouvert. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, il y a plein de trucs. Mais j'ai pas envie de tout voir. Merde, je me suis auto-spoilée. C'est nul. Je voulais pas voir, je voulais pas voir. Je ferme les yeux, je me rappelle plus de ce qu'il y a. Voilà. Attendez, faut quand même que je fasse pour la miniature. C'est important. Merde, mais je veux pas voir ce qu'il y a dedans. Ah, oh, c'est compliqué cette vie de youtubeur. Donc je vais le poser là derrière. Et je vais piocher dedans au hasard. Alors... Des protège-boulets, hein, parce que soleil est un boulet, faut protéger les boulets. Mais quel jeu de mots, hein. Quelle a de l'humour celle-là. Comment ça s'ouvre? Voilà, efficacité, réactivité. Des protège-boulets en mouton de couleur marine. Voilà, ils sont cool, j'espère qu'ils iront à soleil. J'adore, ça faisait longtemps que je voulais des trucs en mouton. Et j'avoue que soleil n'a jamais eu vraiment de protège-boulet. Mais je vais lui essayer, donc on verra. Des cloches, voilà. Je l'ai tout de suite senti. Des cloches orange. À votre avis, pourquoi faire? Pour aller avec l'ensemble de crosses orange que j'ai acheté avec Italion. Et que je vais mettre au concours qui arrive le 24 février, et je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après. Bref, que je vais mettre sur le prochain cross, c'est sûr. Des petites cloches oranges pour aller avec cet ensemble. Oh, par contre, ça a une odeur infecte. Ah, ça sent 100% plastique. Ouf, j'apprécie guère cette odeur. Ah, je suis morte. Je kiffe, je sais qu'il va être jalouse, Mareva, I'm sorry, j'ai le licol orange. Oh, j'adore, merci. C'est en biotac, donc c'est une matière synthétique, en gros, je crois que c'est même pas, je voudrais pas dire de conneries, mais en gros c'est du biotac. En tout cas, c'est une matière ultra cool et trop bien, j'adore, j'espère qu'il ira à soleil, mais je pense que oui, largement. Trop cool, oh, il va être trop beau avec, trop hâte de faire une photo. Après... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des rennes. C'est des rennes? Oh, elles sont étranges. Ah, elles sont marrantes. Enfin, elles sont marrantes, non, enfin, c'est... Ah, c'est marrant. Elles sont trop drôles. En fait, il n'y a aucune attache. Aucun grip, c'est juste tout lisse. Oh là là, je kiffe. Elles ont l'air... Ah, elles ont l'air tellement souples et tout. Trop cool. Trop cool. En plus, j'ai des rennes qui sont défoncées sur un de mes filets, donc je vais pouvoir les remplacer, ça c'est sympathique. Oh là là, mon dieu, je suis déjà trop gâtée. Vraiment, c'est un corps Noël alors qu'on est au mois de février, je trouve ça ouf, moi. J'adore. Ça, c'est une sangle. Voilà, c'est la sangle de dressage. Ça, je savais parce que je l'avais demandé. C'est une sangle de dressage plutôt anatomique et tout, elle a l'air trop cool. J'espère qu'elle va lui aller, ça me paraît minuscule. Mais normalement, ça devrait le faire. 55 cm et je crois que celle que j'ai actuellement c'est une 50, donc ça devrait aller. Trop bien, je vais la déballer entièrement. Voilà du coup pour ce qui est de la sangle de dressage, c'est donc normal qu'elle soit toute petite, c'est parce que les sanglons sur la selle de dressage sont hyper bas. Donc voilà, c'est pas une sangle pour nain de jardin, c'est une sangle pour soleil, mais pour la selle de dressage qui est du coup avec un sanglage bas. Voilà, elle est trop belle, j'adore. On va enfin avoir la classe, c'est ouf. Article suivant. Des guêtres en mouton, waouh. Un corps bleu marine, du coup, bah oui, logique.
pour aller avec les protège-boulets. Oh, ça me paraît gigantesque par contre. Elles me paraissent archi grandes. Je sais pas si ça va aller à soleil. Hein. Il est court sur pattes quand même. Après, taille M, prêt avec le mouton. Oh, va falloir que je lui essaye. Mais elles sont trop belles par contre. J'adore. Ça me frustrerait si elles ne lui vont pas. Mais ça devrait le faire. Elles sont canons, j'adore. J'adore surtout avec le petit scratch comme ça, ça change. J'en ai marre des Veredus là qui se clipsent, même si j'en ai, hein, bien sûr. Mais ça change le scratch. J'aime beaucoup, mais elles me paraissent gigantesques. Vraiment. Mais j'espère que ça ira. Coucou, c'est Lélou qui est en train de faire le montage. Simplement pour vous dire qu'en fait, les guêtres que j'avais eues étaient vraiment 36 000 fois trop grandes pour Soleil. Ça lui faisait un plâtre. Donc du coup, j'ai échangé contre ce modèle-ci qui me plaît encore plus, honnêtement. Donc voilà, elles sont marron. Déjà, ça va avec plus de choses que le marine. Et voilà, avec des petits scratchs, tout ça. Elles sont trop trop belles, je les aime trop. Et j'avais ces guêtres il y a très très longtemps. Et Soleil me les avait éclatées, mais il y a genre des années et des années. Et donc je suis trop contente de les avoir de nouveau. Et donc j'ai eu de même les protège-boulets qui vont avec. Voilà, sur ce je vous remets dans la vidéo initiale, c'est parti. Prochain truc, oula, je sens une couverture là, mais je sais que voilà, là il y a des bandes, voilà, je les avais vues tout à l'heure. Du coup des bandes marron, ça je les avais demandé, donc des petites bandes marron en 2 mètres, pas 3 mètres parce que sinon je suis obligée de les couper, c'est trop long, mais voilà, du coup des bandes marron, ça c'est parfait. Et du coup la dernière petite chose, une couverture, voilà, en taille 125, donc c'est pour Soleil. Oh, elle est belle, j'adore. Qu'est-ce que c'est? C'est une chemise nid d'abeille. Oh, la matière est trop agréable, j'adore. Oh là là, une couverture de plus. Oh, c'est hyper agréable, elle est trop belle. Elle est archi belle, oh là là. Oh, elle est canon. Oh, il va avoir la classe en concours avec ça là. Regardez, elle est trop belle. Là, il y a de la moumoute. Là, les bords sont bleu marine. Du coup, fermeture avec classique, quoi, comme ça. Mais elle est archi belle. Elle a l'air toute douce. Et à l'intérieur, elle est trop belle. Bon, c'est blanc. Ça doit être hyper salissant. Mais elle est magnifique. Et là, il y a le logo T2T Innovation. Voilà. Oh, j'adore. Elle est canon. Oh, trop hâte de lui essayer. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Merci beaucoup. Oh, alors là... La grande classe, le Soleil. Bon bah voilà, du coup mon gros colis est tout vide. Merci beaucoup à la marque T2T de m'avoir envoyé tout ça. Merci beaucoup à vous tous surtout de me suivre, parce que sans vous j'aurais pas eu ce colis, et c'est quand même un certain budget de matériel qui m'a été offert grâce à votre présence, parce que vous êtes là, parce que vous me suivez. Donc merci énormément. C'est un truc de ouf, et c'est vraiment dans ce genre de moment que je me rends compte de toute la chance que j'ai de vivre cette aventure. Donc merci énormément. Sur ce, je vais aller essayer tout ça à mon gros Soleil, voir si tout lui va. Bon bah sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations sur YouTube, allez cliquer sur une autre vidéo, une à moi, une à une autre personne. Je vous laisse faire ce que vous voulez, cette conclusion n'a aucun sens. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !